الزلف لون السلام عليكم سلف رحضا مقرانا لدن مليلا ساكين لي تيزي وزو باش نسمكتين امولي وي 57 لا كرياسيون وشافار نتيرني غالي ملاين هذه المناسبة تعني الكثير لكل مناضلات ومناضلي الافافاس وتعني الكثير لكل الجزائريات والجزائريين الذين يريدون تغيير النظام وإرساء الدولة الديمقراطية دولة الحق والقانون دولة حقوق الإنسان ودولة الحريات الفردية والجماعية Aujourd'hui nous célébrons ce 57e anniversaire de la fondation du FFS sous le mot d'ordre de la fidélité à nos engagements et à nos valeurs primordiales. Cette fidélité se traduit dans nos actions et dans nos positions de tous les jours. Contrairement à certains esprits mal intentionnés qui veulent porter atteinte au FFS et à tous les combats démocratiques qu'il a menés depuis sa fondation à aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre le parti que nous avons hérité de notre cher président Fahsine Ahmed et le FFS d'aujourd'hui. Le cap est toujours le même. Le changement radical et pacifique du système et l'instauration d'une république démocratique et sociale telle qu'il a été énoncé clairement dans la proclamation de novembre et les résolutions du congrès de la SOMAM. Combien de fois le FFS a été accusé de trahison, de soumission et de compromission? Combien de fois ces militants ont été calomniés, attaqués, diffamés, emprisonnés, arrêtés? Combien de fois ils ont tenté d'instrumentaliser la faiblesse des hommes pour affaiblir le FFS? Combien de fois ils ont parié sur la mort du FFS? Pourtant, nous sommes toujours là. Pourtant, le FFS est toujours là, tel un temple de la résistance, pour porter la voix et les aspirations de tout le peuple algérien pour disposer librement et démocratiquement de son avenir. Combien de fois ils ont prédit notre disparition? Pourtant, vous êtes toujours là en tant que militants fidèles à l'idéal qui a été... Vous êtes toujours là, et nous sommes toujours là, et le FFS est toujours là pour porter le combat de nos pères fondateurs pour l'édification d'une alternative démocratique dans notre pays. Nous sommes toujours là, tel un temple de la résistance qui se bat quotidiennement et qui se battra aux côtés des Algériennes et des Algériens. Nous sommes toujours là, comme nous étions hier, un parti jaloux de l'avenir et de devenir de l'État national. Il ne s'agit pas là d'un détail, mais de l'essentiel sur lequel le FFS est bâti. Un parti nationaliste et patriotique. Un parti nationaliste et patriotique. Prêt. Prêt à se dresser en rempart contre toutes les velléités du pouvoir pour porter atteinte à notre pays et à nos concitoyens, contre toutes les manœuvres et les manipulations sournoises visant remettre en cause la souveraineté nationale, l'unité de notre pays et la cohésion
pardon, de nos concitoyens. Nous sommes toujours là, un parti responsable qui garde, quelles que soient les situations, quelles que soient les manipulations, sa lucidité, son esprit de responsabilité et sa clairvoyance, et au-delà de tout, son autonomie de décision et d'action. Nous dérangeons à Edmonton. Nous dérangeons parce que nous sommes jaloux de notre autonomie de décision et d'action. Personne ne pourra dicter EFFS ses positions, à part ses militantes et ses militants. Personne ne pourra dicter EFFS ses positions, à part son attachement indéfectible à l'édification d'un État fort par l'adhésion de nos concitoyens, d'un État fort par la démocratisation de ses institutions, d'un État fort qui pourra redonner la parole au peuple, un slogan que scandent notamment depuis le 22 février des millions d'Algériennes et d'Algériens. Je vais vous le dire, et c'est un message à toutes les voix réductrices qui veulent réduire la voix d'un parti comme la voix du Front des Forces Socialistes. Nous leur disons aujourd'hui que si nous sommes aujourd'hui, que si le peuple algérien est arrivé au 22 février, c'est grâce au sacrifice de plusieurs générations de militants qui se sont sacrifiés et qui ont consacré toute leur vie pour sensibiliser et mobiliser les Algériennes et les Algériens autour d'une feuille de route politique claire qui pourra à terme redonner la parole au peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, chers camarades, redonner la parole au peuple? Redonner la parole au peuple, c'est restituer l'État à la nation. C'est notre revendication depuis toujours. Aujourd'hui, nous le disons encore une fois, il est temps de restituer l'État à la nation. Comment restituer aujourd'hui l'État à la nation? C'est à travers un processus copolitique constituant qui saura jeter les jalons d'une dynamique et d'une feuille de route en mesure de donner au peuple toute la chance de disposer librement et démocratiquement de son droit à l'autodétermination. حق الشعب الجزائري في تقرير المصير لا رجعة فيه. حزب جبهة القوى الاشتراكية ناضل منذ التأسيس تاعو باش نرجعوا الكلمة للشعب، ورايح ناضلوا ومازال ناضلوا باش نرجعوا الكلمة للشعب وباش الشعب الجزائري يشارك في بناء المؤسسات، يشارك في بناء الجمهورية الثانية، يشارك في بناء الديمقراطية. لأن اليوم ما نقدروش نتكلموا عن الديمقراطية بدون ما نتكلم عن مشاركة الجزائريين والجزائريات. ما نقدروش نتكلموا عن الديمقراطية والبديل الديمقراطي بدون إعطاء الكلمة للشعب وإعطاء الحق للشعب في تقرير المصير. هذه هي la ligne politique originale du Front des Forces Socialistes. Aujourd'hui, vous devez être fiers de votre parti. Nous devons être fiers du Front des Forces Socialistes que nous devons tous ensemble construire sur des bases solides, sur des bases d'unité, sur des bases de réconciliation entre toutes les militantes et tous les militants, sur des bases de nos valeurs communes, de solidarité, de camaraderie et de concertation à tous les niveaux. C'est ça notre ambition aujourd'hui. هذا هو المبتغى تاع القياده الوطنيه للحزب اليوم باش نلموا باش نجمعوا ونلموا شمل كل المناضلات وكل المناضلين من تبسه الى مغنيه
من الجزائر العاصمة إلى كلا عاصمة الأهكار تم نرست. هذه هي مبتغى، هذا هو مبتغى القيادة الوطنية باش نرجعوا لحزب جبهة القوى الاشتراكية المكانة نتاعو والهيبة نتاعو على الساحة السياسية الوطنية. لأننا اليوم كمناضلات وكمناضلين مقتنعين بأنه لا يمكن أن يكون تأسيس لعهد جديد بالجزائر بدون الأفافاس. لا يمكن تأسيس لعهد جديد في الجزائر بدون الأخذ بعين الاعتبار النضالات مناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية. أريد في هذا الصدد أن أشيد بنضالات قدماء 63 شوفوا دري بار سيت اوكازيون روندران فورماج ان اوماج بارتيكولييه à tous les militants anciens de 63. Nous leur disons aujourd'hui que si nous sommes là, c'est grâce à vos sacrifices, c'est grâce à vos luttes, c'est grâce à votre engagement et à votre double engagement, j'allais dire. Vous avez combattu le colonialisme et par la suite, vous vous êtes dressé avec dignité contre la confiscation du pouvoir, contre le détournement de la révolution. لهذا احنا نقول لهم اللي توفوا رحمة الله عليهم نوصلوا لهم الرحمة. هم شهداء ويعتبرون في خانة الصديقين إن شاء الله من أهل الجنة إن شاء الله. واللي ما زالهم معنا ربي يطول العمار ما زالنا نسحقوهم ما زال يمدولنا الدروس وناخذوا منهم العبر باش نواصلوا النضال لتحرير الشعب الجزائري. نقولكم بأن القيادة الوطنية للحزب رايح تقوم بكل فم بما في وسعها باش بور أراشي لو ستاتو دو مارتير دو لا ديموكراسي أنو ميليتون. Nous sommes fidèles à cette revendication. Nous exigeons un statut de martyr pour nos militants. Un statut qu'ils ont arraché grâce à leur sacrifice, et grâce au sang versé pour que la démocratie triomphe.